Cette session est enregistrée. Bon, Gakai, si tu es prêt, tu me fais signe. D'accord. Attends, j'enlève d'abord quelque chose. S'il vous plaît. C'est bon. OK. Donc, cette session, elle est enregistrée. Donc, si tu veux, lorsque tu veux utiliser une autre carte son, après avoir déconnecté l'autre carte son, il faut toujours redémarrer la machine. Tu redémarres la machine, tu lances l'autre carte son de telle sorte que la carte son doit redémarrer avec la nouvelle carte son que tu veux utiliser. Tu comprends? En ce moment, je vais te montrer un truc. Tu vois sur la barre des tâches ici, là où je monte là sur la souris, là. Ne t'occupe pas de la fenêtre que je viens d'ouvrir, là. D'accord. La barre, là, tu viens chercher là où se trouve le haut-parleur, là. OK. Tu cliques ici. Si réellement tu as redémarré la carte son là avec tu as redémarré la carte son au même moment avec l'ordinateur, normalement tu dois avoir le nom, le premier nom qui doit s'afficher ici là, ça doit être le nom de la carte son. Mais si tu ne retrouves pas ce nom là, donc tu dois l'activer, c'est-à-dire en cliquant sur line 1, 2. Donc line 1 and 2. Ça y est là. Le nom de la carte, c'est DigiDesign 003, RAC. Donc, quand tu double-cliques sur ça, ça doit automatiquement prendre ce nom-là. Si tu fermes comme ça, ce nom-là est déjà activé. Mais cela ne suffit pas. Tu dois aller sur panneau de configuration. Tu vas sur panneau de configuration matériel et audio. Modifier les sons système. Ou bien ajuster les volumes machin du système. C'est ici, là, gérer les périphériques audio. Tu vois? Gérer les périphériques audio. Sur la lecture, il y a le bruit, s'il te plaît, ça va rentrer dans le direct. Sur la lecture, ici, si tu veux écouter, par exemple, la musique, suivre YouTube, tu vas aller sur l'Internet, écouter la musique. La lecture, elle est déjà activée sur line 1 et 2. Maintenant, il reste l'enregistrement. C'est aussi activé sur line 1 et 2. La lecture ici, en fait, c'est la sortie d'écoute. Hein? En fait, la sortie. L'enregistrement, c'est plus les entrées. Ouais, donc, tout est déjà activé. Il y a le bruit, s'il te plaît. Il y a un bruit là, s'il te plaît. Tout est enregistré, hein, donc il y a le bruit qui rentre là. Ça ne se fera pas bien. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, regarde sur ton Zoom, est-ce que le micro est barré en rouge comme ça? Là? Sur mon Zoom, attendez. Bon, clique maintenant sur la flèche qui se trouve à côté du micro qui est barré. Cela signifie que ton Zoom n'est pas activé sur la carte son. Si le Zoom était activé, je devais t'écouter depuis mon ordinateur aussi. Clique seulement sur la flèche qui est à côté du micro là. Ouais, j'ai cliqué, ouais. Ok, tu vas voir. Attends. Tu vas voir les options qui sont là. Tu peux me montrer sur la caméra. D'accord.
Ouais. Le micro aussi va choisir un, deux. Un, deux. Ouais. C'est coché déjà. OK. Si c'est coché, clique encore le même nom que tu vois là. Ça va réagir normalement. OK. C'est bon. Tu es en train d'utiliser quelle entrée? Entrée 2 ou bien entrée numéro 1? Numéro 1. Cela signifie que le HPF là n'est pas activé. Si. Est-ce que le micro est bien branché là-bas? Oui, oui, bien sûr. Tu as démarré Zoom après avoir lancé la carte sans cesse. Oui, après avoir lancé la carte son, c'est là où j'ai démarré Zoom. OK. OK. Là, le micro a quitté. Le micro est maintenant activé. Il n'y a plus le rouge, tu vois. Ouais, ouais. OK. Parle un peu. Okay. Tiens, le micro essaie de parler. Ouais, ouais. Comment là-bas? J'ai pas le son. OK. Mais hier, ça passait quand tu parlais, j'entendais très bien. Tourne un peu le téléphone vers la DigiDesign. D'accord. Est-ce qu'il y a des lumières, il y a la lumière verte sur la tranche? Montre-moi les entrées, s'il te plaît. Les entrées. Oui, je suis sur les entrées. Active aussi la deuxième piste. Peut-être que tu as eu à confondre la première et la deuxième. Active le bleu. Ouais, active-moi ça. Tu es sûr que tu as mis sur l'entrée numéro 1 là-bas? Oui, oui. Va voir derrière. Ramène le téléphone. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Est-ce que c'est bien en français? Oui, oui, c'est bien en français. Jusqu'au fond. OK. Donc, attends, on va lancer. Je vais lancer la session. Tu peux repartir. Est-ce que tu m'entends sur les casques? Non. Je ne vous entends pas sur les casques. Est-ce que ton casque est bien branché sur la carte son? Le volume, il est ouvert. Ouais, ouais. Je ne pense pas. Tourne un peu.
Tu vois ce que ça fait là? Quoi c'est? Tu ne vois pas la carte son. Apparemment, il y a un câble par le derrière, peut-être qui bouge là-bas, qui se déconnecte automatiquement. C'est pas grave. Tourne un peu le téléphone vers la DigiDesign. Je vais te montrer comment tu vas setup ton matériel. Montre-moi montre-moi la carte son, ouais, c'est là. Tu vois, moi je t'ai dit que si le bouton vert là de host ne s'allume pas, c'est que ta carte son n'est pas connectée. Je t'ai pas dit ça hier. Si tu me l'avais dit, mais les fils, je l'ai bien connecté. Non, 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 ne me dis plus, mais si tu as la logique, nous voyons. Maintenant, c'est-à-dire que de toi-même, tu ne te rends pas compte que le verre là ne s'allume pas. Mais tu es resté calme, tu ne parles pas. C'est-à-dire qu'on souffre pour aller de gauche à droite, mais le verre là ne s'allume pas. Comment on aura le signal? Tout ce que je fais là pour démarrer ton Pro Tools, machin, on n'aura rien. C'est-à-dire que ta carte son n'est pas visible, en fait. Dans l'ordinateur, il y a combien de ports de FireWire? 2 ports. OK. Change-moi le port, là. Boot ta zone, ça, quoi, vous l'avez, quoi. Pika port, il y en a 4. Sans moi, ça redémarrer bon. D'abord. Va débrancher dans l'ordinateur et puis tu changes le truc. C'est bon. L'ordinateur, c'est toi qui utilises, mais tu ne comprends pas. Hein, Jaram? Ce sont les choses, on ne peut pas toujours, tout le temps retourner sur ça. Tu as le son au casque? Oui, oui, j'ai le son. OK. Essaie un peu de parler, je veux juste écouter. J'ai le son. OK. Tu es sur quelle entrée? La première entrée. La première entrée. Je rappelle que tu ne peux pas cliquer sur le REC si tu n'as pas vérifié l'entrée. S'il n'y a rien ici, par exemple, tu viens cliquer sur le REC, tu n'auras rien. Regarde ce que c'est. Ouais, ouais. Donc, il faut toujours faire très attention. Tu dois signer d'abord l'entrée.
Teste un peu le signal. Oui. Oui, ça va. Hugo. Hugo, ouais. Hugo. Hugo, ouais. Hugo. Est-ce que ça crache sur tes oreilles? Hugo, ouais. Hugo. Hugo. Hugo, ouais. Hugo. Hugo. Moi, je ne m'entends pas. Est-ce que le haut-parleur est activé? Ouais, ouais. Vérifie le volume de tes casques là. Peut-être ça doit être fermé. Non, non, non. Le volume est ouvert. Ok, tu ne t'entends pas, c'est ça? Ouais, je ne m'entends pas. Ok. Attends, on doit retourner sur panneau de configuration. Essaie de parler. Ouais. Ouais. Un, deux, oui. Ouais. Tu t'entends? Même pas. Ok. Vas-y. Un, deux, un. Ouais, qui? Ouais. Ouais. Un. Ouais, un. Non. Ok. Tu dois te déconnecter de Zoom, hein? Mm-hmm. Et puis tu reviens parce que on a débranché les choses pendant que tout était connecté. Donc on va rien, on ne va pas fermer Pro Tools. Mm-hmm. On va juste, tu dois te déconnecter toi-même et puis tu reviens encore rapidement sans fermer Pro Tools. D'accord. Ok, je t'attends. C'est bon. Nous sommes en train de voir comment configurer une carte son. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. C'est ça la leçon d'aujourd'hui. Configuration d'une carte son. Ok, nous allons activer, recevoir notre invité. Voilà. Notre invité est là. Je suis là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère que tu m'entends. Ouais, je vous entends très bien. Là, tu t'entends aussi? Non, mais chez moi, j'ai pas de retour. Ok, tu peux me montrer par ton téléphone là, je vais voir. C'est bon. Prends seulement le téléphone, n'ouvre pas le micro du téléphone, juste la caméra que je vais voir. Renverse la caméra. C'est bon.
Renverse la caméra, je veux voir la digit design. Ah, oh là là. OK. Ton casque est branché sur le 2 ou bien le 1? Le 1. Montre-moi là où tu as branché. OK. Essaie de varier sur les boutons qui sont là, à côté de Alt et GR là. Essaie d'appuyer le D'accord. clavier. Appuie pendant que tu me montres là. C'est bon. Tu cliques, si ça donne rien, tu enlèves. Tout en gardant le Alt GR là. Tu Hein? gardes Oui, le Alt. hein? Là, c'est bon. Même pas. Garde le Alt GR là. Le premier bouton qui était allumé, tu le gardes. Voilà. Et c'est comme ça. Tous les boutons en sans Hein? exception. Hein? 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 Même pas. OK, désactive ça, ce que tu viens d'appuyer. Clique sur le bouton qui est écrit mono. Clique d'abord, ça donne quoi? Un. Non, non, OK. Clique sur ce. OK. Clique sur mute pour fermer d'abord. On va écouter. Vas-y. un. Désactive. Est-ce que le volume le général du moniteur là est ouvert? Ton contrôleur aussi est ouvert. Oui. Touche un peu le clavier pendant que tu me montres là. Tu es sûr que ton clavier est connecté à l'ordinateur? Bien sûr. OK. OK, là c'est le host. Clique un peu sur les deux boutons de phone là, phone numéro 1. Phone 1 là. Clique les deux boutons, ces deux boutons. Non, 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 ces deux boutons. Écoute bien, ces deux boutons. Clique ces deux boutons. Voilà. C'est bon. Déjà, tu peux désactiver les deux boutons. Tu n'as pas le signal toujours, hein? Non, je n'ai pas de signal. Vas-y, là, tu t'entends maintenant. Vas-y. Ouais. Moi, je ne m'entends pas. J'entends que votre voix. Vas-y, tu t'entends. Même pas. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, non, non. OK. Vas-y, essaie de parler. Ouais. Rien. Rien. OK, ce qu'on doit faire, c'est quoi?
On va arrêter la session parce qu'on a eu à bousculer la carte son pendant que la machine était déjà lancée. Donc, tu dois redémarrer tout le système. D'accord. OK, merci.